Alors, c'est le temps de faire le tour des dossiers chauds avec notre panel de députés que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir dans le foyer de la Chambre des communes. Alors, pour les libéraux, Marc Miller, pour les conservateurs, Alain Reyes, pour le NPD, Guy Caron, pour le Bloc québécois, Monique Pauzé. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer avec le projet de loi C-69. C'était le sujet aujourd'hui de conversation commune. Je vais commencer avec les libéraux de M. Miller. Donc, C-69 est revenu du Sénat avec quelques 186 amendements. On le sait, il y a 6 premiers ministres des provinces, territoires qui vous demandent d'accepter tous ces amendements. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Bien, il faut faire une révision judicieuse des propositions qui ont été faites par le Sénat. C'est quand même une chambre que l'on respecte. Vos téléspectateurs ne seront pas sans savoir que ce processus a été un peu miné par les membres du Parti conservateur qui sont au Sénat, dans le caucus conservateur, qui essaient de réformer ce projet, somme toute, pour vos spectateurs, qui venaient réformer un processus nécrosé mis en place par le Parti conservateur qui minait la confiance des investisseurs. Alors voilà qu'on a un projet qui fait partie de notre plan environnemental, qui donne une prévisibilité aux investisseurs qui veulent mettre en place des projets. Et on va réviser ce projet parce que c'est un projet qui est très important pour les Canadiens, pour les investisseurs. Et donc, laissez-nous le temps de voir ce qui a été proposé. Et il y aura sans doute le va-et-vient entre la Chambre des communes et le Sénat. Oui, juste une question là-dessus. Est-ce qu'il va être adopté avant la fin de la session parce que c'est dans une semaine et demie? Nous faisons de notre mieux. Bon. Monsieur Reyes, des conservateurs, on vient d'entendre Monsieur Miller. Vous êtes contre les conservateurs, C-69, tel quel. Qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire précisément dans ce projet de loi? Bien, vraiment, il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés. Je ne fais pas partie du comité. On a certains de nos députés qui sont des experts dans ce secteur-là. Tous ces amendements-là ont été refusés à la Chambre des communes par le gouvernement libéral. Il y en a plusieurs, il faut le dire. Hein? Après ça, oui, il y en a eu plusieurs, tout à fait. Par la suite, c'est arrivé au Sénat. Monsieur Miller souligne que les conservateurs font de l'obstruction. Je l'invite à aller voir les gens qui ont voté. Les conservateurs ne sont pas majoritaires au Sénat. Ils ont eu besoin de l'appui de d'autres sénateurs indépendants nommés par le premier ministre Justin Trudeau. Donc, imaginez ces sénateurs-là ont remis en question le projet de loi, ont proposé des amendements. Il faut croire que ce projet de loi nuisait au Canada, à son économie, à l'exploitation des ressources naturelles et des ressources minières. Nous, ce que l'on remarque et ce que l'on constate, et c'est ça qui est déplorable, c'est qu'on est en face d'un gouvernement qui est centralisateur, qui est paternaliste. Mais en quoi ça nuit? Parce que vous attaquez le projet de loi, mais dans des termes très généraux, spécifiquement. Est-ce que vous avez des dispositions qui En ce moment, ce projet de loi-là empêche les projets de voir le jour, met des bâtons dans les roues aux investisseurs qui souhaitent investir dans notre pays. On le voit, tout est au ralenti, on est toujours en consultation. Des gens de l'externe viennent influencer les processus au niveau des consultations ici même au pays. On le constate, il y a plusieurs premiers ministres, territoires du Nord-Ouest, qui demandent à ce gouvernement-là de revoir ce processus-là. Et à chaque fois que ce premier ministre, particulièrement Justin Trudeau, reçoit des commentaires dont il n'est pas content, il s'attaque directement et personnellement au premier ministre parce qu'ils sont conservateurs au niveau des provinces. Et j'aime bien lui rappeler qu'ils ont été élus eux aussi démocratiquement par leurs citoyens et citoyennes. Et ils méritent le même respect, quelle que soit leur allégeance politique au niveau provincial. Quand c'était le temps de Kathleen Wynne au provincial en Ontario, le premier ministre était très content de faire campagne à côté. Il la respectait totalement. Je pense qu'il devrait faire la même chose avec les autres premiers ministres des provinces. Pour le NPD, Guy Caron, vous avez des inquiétudes, vous, par rapport à C-69. Qu'est-ce que vous espérez des amendements qui sont proposés par le Sénat? Bien, soyons clairs. Au départ, évidemment, ce que les conservateurs avaient fait en 2012, c'était de complètement détruire l'évaluation environnementale ou la crédibilité de l'évaluation environnementale en mettant ça, entre autres, entre les mains de l'Office national de l'énergie. Alors, c'est pas crédible et honnêtement, ça n'a pas aidé non plus la crédibilité du gouvernement fédéral et du processus. Maintenant, C-69 améliore au moins le processus de consultation, entre autres avec les Premières Nations, entre autres avec différents groupes citoyens, mais il y a encore beaucoup de pouvoir qui est laissé à l'Office national de l'énergie. Le commissaire en chef peut venir de l'Office national de l'énergie. Plus de la moitié de la composition de la commission pour l'évaluation environnementale peut venir de l'Office national de l'énergie. Alors, si on veut avoir un vrai processus d'évaluation environnementale qui mesure les risques environnementaux, mais qu'on donne peu de pouvoir à la société civile, peu de pouvoir au moins d'expression de la part des Premières Nations et beaucoup de pouvoir de décision du côté de l'industrie, bien, pour nous, ça nous pose problème. Au Bloc québécois, Monique Pauzé, vous êtes contre les pipelines.
commune, on le sait. Qu'est-ce que c'est votre position par rapport à C-69, par rapport aux amendements qui sont proposés par le Sénat? Vous êtes où là-dedans, le Bloc? Bon, écoutez, C-69, en partant, on était contre. Mm-hmm. Et puis, qu'il soit amendé ou pas, on va rester contre ce projet de loi-là parce qu'il ne reconnaît pas le Québec et les compétences du Québec en matière environnementale. On a le BAP qui est reconnu mondialement pour être un outil extraordinaire d'évaluation environnementale. Mm-hmm. Mais là, on a l'ONE qui n'a jamais dit non à aucun projet de pipeline. Alors, ça démontre encore une fois qu'au Canada, surtout avec tous les premiers ministres conservateurs des provinces et des territoires, ça démontre qu'il y a deux pays. Il y a le Canada qui est toujours pour le pétrole, puis il y a le Québec qui ne l'est pas. Alors, pour nous autres, c'est 69. Et puis, il y a une chose aussi que je trouve bien marrante, c'est que M. Kenney, Jason Kenney, il a dit, lui, que si tous les amendements passaient, il serait d'accord avec le projet de loi. Problème. Si M. Kenney dit ça, ça veut dire justement que les amendements, c'est toujours pro-pétrole pour l'industrie pétrolière et c'est clair qu'on est contre. Ça, c'est pour le projet de loi C-69. J'aimerais maintenant vous entendre, tout le monde, sur le sondage Angus Reid qui nous apprenait hier avec surprise que les conservateurs sont passés en tête dans les intentions de vote au Québec, qui devancent de 2 points les libéraux, selon ce coup de sonde qui a été réalisé auprès de 535 répondants au Québec. Je vais commencer avec vous, M. Miller des libéraux. Il semble que vous ne pouvez plus prendre le Québec pour acquis. Vous réagissez à comment à ce sondage-là? Esther, j'ai jamais pris le Québec pour acquis. Je suis conscient du fait que je sors d'un parti qui était sclérosé pendant bien longtemps. Et donc, ce que Justin Trudeau a fait notamment, c'est d'envoyer ses députés aux portes, d'écouter les gens. C'est bien différent de la bulle qu'on peut voir à l'entour d'Ottawa, puis dans les bureaux de circonscription notamment. On entend plein des choses et puis on s'efforce d'être la voix de nos commettants à Ottawa. Et ça, ça a des répercussions importantes. Alors, je ne suis pas de ceux qui regardent les sondages. Ça me stresse quand je regarde, alors j'évite de regarder les sondages. Mais on ne prend pas le Québec pour acquis, on ne prend pas le Canada pour acquis. Mais quand même, que, parce que le Québec... Ben c'est vous qui me le dites. Le Québec a été derrière vous tout au cours de la crise entourant l'affaire SNC-Lavalin. Et là, ce sondage, c'est un sondage, mais qui nous apprend que finalement, les conservateurs sont passés en tête dans les intentions de vote au Québec. C'est quand même pas rien. Quelle lecture vous faites de ça? Est-ce que vous constatez la chose sur le terrain? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, aucunement. Je suis député du centre-ville de Montréal, alors je viens d'un comté qui souhaite voir la diversité d'opinions dans le pays, qui est très soucieux de l'environnement. Alors, j'entends ça à chaque fois. Bon. En ce qui a trait au sondage, il y en a un qui est plus important pour moi, c'est celui de la fin octobre. Celui du 21 octobre, vous allez me dire. Bon, Alain Reyes, des conservateurs, je me tourne vers vous. Vous êtes le lieutenant du Québec. On est chanceux de vous avoir sur notre panel de députés ce soir. On sait que vous êtes beaucoup activé sur le terrain au Québec. Quand même, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre les devants dans la région de Montréal? Parce que ça, c'est un autre volet que nous montre ce sondage, que les conservateurs ne sont pas ici au premier rang dans la région métropolitaine. Comment vous expliquez ça? Bien, on pourrait parler de Montréal, puis c'est plus difficile. M. Miller laisse souligner que c'est à cause de lui. Mais quoi, il ne regarde pas les sondages. Donc, il n'y a personne qui regarde les sondages. On les commente rarement, mais on les regarde tous. C'est ça, la réalité. Vous parlez de Montréal, mais moi, ce que je regarde, c'est tout le travail parcouru depuis 4 ans. Je pense qu'on est rendu au 35 ou 36e sondage national au pays. Sur les 35-36, il y en a 34 où les sondeurs nous ont mis premier. La grande nouveauté dans le dernier de Angus, c'est que même au Québec, vous dites de 2 points, donc 28-26. Mais nous, ce qui a été très marquant, puis on l'a vu avec la dernière élection provinciale aussi au Québec, c'est que lorsqu'on sort de Montréal, c'est plus 2 points, mais 10 points d'avance que nous avons, d'après ce sondage-là, sur le Bloc québécois et le Parti libéral qui sont à 22. Le NPD, on n'en parle même pas dans ce cas-ci. Donc, pour nous, c'est très encourageant. C'est une grosse amélioration. Puis je pense que ça confirme que le travail qui est fait depuis 2 ans, depuis l'élection de notre chef, depuis notre tournée à l'écoute des Québécois, le recrutement de nos candidats, candidates qui proviennent de tous les horizons, bien ancrés dans chacune de leurs circonscriptions, commence à porter fruit. Le travail n'est pas fini. Je veux dire, comme mon confrère, le vrai sondage, c'est le 21 octobre prochain. Il reste un peu plus de 4 mois. Et c'est à ça qu'on va s'atteler à tous les jours. Mettre en évidence les échecs du premier ministre et de son gouvernement, montrer les raisons qui font ça, son incompétence. Et troisièmement, que c'est les Canadiens, Canadiennes et Québécois, vous
québécoises qui payent pour ces erreurs-là. Bon, vous dites, M. Reyes, le NPD, on n'en parle même pas, mais moi, je veux en parler. Je veux oui, c'est correct. Vers... Non, mais je parle de ce sondage-là. Oui, oui, non, je l'aime, monsieur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, justement, l'autre nouvelle de sondage, ça concerne le NPD, en fait, c'est que le NPD glisse au quatrième rang derrière le Bloc québécois au Québec. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, M. Caron, pour tenter de renverser cette tendance d'ici le 21 octobre? Bien, ce qui est clair, c'est que la force, une des forces que nous avons, c'est vraiment la force des députés qui sont là depuis 8 ans. On parle d'Alexandre Boulris, de Ruth Hélène Brosseau, Pierre Nantel qui parle beaucoup de culture dans la Chambre, qui est pratiquement le seul à en parler, Robert Aubin. On a vraiment des députés qui ont fait le travail depuis 8 ans, qui se sont fait connaître. Et je vous dirais que c'est vraiment la force qu'on va mettre de l'avant la prochaine campagne électorale dans les différentes régions du Québec, de démontrer tout le travail qui a été effectué et démontrer que le NPD a à cœur les priorités des gens. On a vu, par exemple, l'annonce environnementale qui a été faite, qui promet des investissements de 15 milliards sur un seul mandat pour pouvoir faire face à la crise des changements climatiques. C'est le projet le plus ambitieux des 4 partis et c'est un projet qu'on va mettre de l'avant durant la campagne électorale. Mm-hmm. Alors, l'ensemble des enjeux qu'on va avoir et la crédibilité des députés qui ont fait le travail pendant 8 ans vont être les forces sur lesquelles on va miser pour l'élection du 21 octobre, qui va être le vrai sondage. au Bloc québécois, Mme Posé, vous vous hissez donc au 3e rang des intentions de vote devant le NPD. Qu'est-ce qui se passe? Un nouveau chef, c'est parce que vous avez un nouveau chef, meilleure organisation. Pourquoi, selon vous, là, vous remontez dans les sondages? Quelle lecture vous faites de ça? Bon, bien, effectivement, j'écoutais dans le taux M. Reyes parler, puis je me disais, mon Dieu, il l'a vraiment regardé en détail, le sondage. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas regardé non plus. Puis le commenter, on peut commenter celui de cette semaine, il va en sortir un autre la semaine prochaine, l'autre d'après. Je veux dire, on serait toujours après les regarder, les commenter, là, on attend le sondage de Léger Marketing, d'ici la fin de la semaine. Mais celui du 21 octobre, comme disent mes collègues, bon, tout à fait. Mais effectivement, au Bloc, on sent qu'on a le vent dans le dos. Les gens qui connaissaient notre chef quand il était à RDI, tous ceux-là, tout le monde l'aime. Ceux qui le connaissent, ah oui, c'est bon, tu sais, ah, Yves François. Et ceux qui ne le connaissaient pas apprennent à le découvrir et l'aiment également. C'est un très bon communicateur, puis il est très pragmatique. Là. Il n'est pas dans l'idéologie à tout craint. Je veux dire, il est capable d'amener ses idées sur l'environnement. Dans l'organisation, ça va bien, en fait? Et l'organisation, ça va bien également. On a des gens qui sont engagés, des citoyens engagés qui se présentent comme candidats. Et vous savez, le Bloc québécois, on ne cherche pas à prendre le pouvoir, nous. On ne cherche pas à avoir de limousine, on ne cherche pas... On est là pour des valeurs. Alors, les gens qui se présentent comme candidates ou comme candidats sont là parce qu'ils partagent nos valeurs. Oui. Il me reste quelques secondes. La dernière question, je vais la poser à Marc Miller parce qu'on a avec nous le lieutenant des conservateurs qui travaille beaucoup sur le terrain. Ça semble donner des résultats quand on regarde les sondages. Marc Miller, chez les libéraux, vous n'avez pas de lieutenant politique. Vous dites que le général, c'est M. Trudeau. Est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir de lieutenant politique pour le Québec chez les libéraux, selon vous? On a à peu près 40, Esther. C'est des députés qui sont élus depuis 4 ans et qui font leur job de façon impeccable. Ça prend aussi des soldats, puis c'est ça qu'on fait. On va auprès des gens pour savoir ce qui leur interpelle. Et on le fait valoir au sein du caucus du Québec. Mais au niveau de l'organisation, parce que l'organisation, ça va très bien. Les coffres sont bien remplis. Beaucoup de militants qui s'affirment. Et la sélection de candidats qui va bon train. Évidemment, on en avait 40. Et donc, on a quelques places à remplir. C'est règle générale des processus de nomination ouverte. Donc, une décision qui prend un peu plus de temps que de nommer à peu près n'importe qui. Bon, et M. Reyes, des conservateurs, vous avez dit que vous alliez avoir des candidats dans les 78 circonscriptions du Québec d'ici la fin de juin. C'est toujours le cas, il reste une seconde. Oh oui, tout à fait, okay. Honnêtement, à part peut-être un ou deux, là, dépendamment si on aura le temps au niveau technique d'y arriver, mais l'objectif est clair, 78 candidats et candidates avant la fin de l'été. Et très particulier, dans notre cas, on a mis beaucoup d'efforts pour recruter des femmes de grande qualité. On devrait atteindre 40 % de femmes, donc atteindre la parité 40-60 que l'on vise tous dans les partis politiques. OK. Monsieur Caron et Mme Posé, vous m'avez parlé un peu d'organisation. On aura le temps de s'en reparler dans d'autres panels politiques. Alors, merci beaucoup à vous quatre, Alain Reyes, Marc Miller, Monique Posé, Guy Caron, d'avoir participé à ce panel de députés. On se retrouve un peu plus tard.